à écouter. Assiste au vent, mon lait à l'arrivée. T'y connais, camarade, t'y connais qui s'amilé. T'y connais, camarade, t'y connais qu'au samivé. Je m'appelle Idriss Judith et bon, mon nom de scène c'est Kaf Marron, c'est vraiment un surnom Kafre qui désigne un peu les descendants d'Africains ici à La Réunion. Et du coup Marron c'est les esclaves rebelles qui s'évadaient pour aller jouer justement du Maloya aussi, chose qui était interdite à l'époque. Du coup voilà, on les appelait les Marrons en fait. L'histoire musicale, on va dire qu'elle a commencé en 2009 quand j'étais en Australie. J'étais allé pour mes études et bon, il s'est avéré que mes études étaient très chères et peu plaisantes en tout cas. En 2009, j'ai rencontré un batteur qui était connu dans le milieu à Perth, là-bas, dans l'ouest de l'Australie. Il était prof de percussion brésilienne. Il m'a enseigné, il m'a pris en main. J'aimais beaucoup les percussions. J'ai hérité un peu de la discipline de musique brésilienne où c'est très disciplinaire, où t'as au moins 10 instruments qui font chaque truc différent et qui rentrent vraiment dans un ordre respectif et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup formé, la musique brésilienne, les percussions brésiliennes, quoi. Et puis du coup, j'ai commencé à faire des concerts là-bas, être musicien professionnel, percussionniste au début. Et puis petit à petit, on est allé vers mes compos parce que je grattais un peu à la guitare. Et il m'a proposé de participer à une soirée réunionnaise. Et du coup, bon, c'était la première fois que je montais sur scène en Australie en tant que Kaf Marron, avec des chœurs, des cuivres, la totale. Et alors que moi, je gratouillais vite fait, je chantonnais. Ben voilà quoi. J'ai pris goût en fait rapidement parce que de me mettre entouré de professionnels comme ça sur scène tout d'un coup, alors que voilà, je m'assume pas encore chanteur vraiment. Et je me lance là-dedans, je me dis waouh, il faut absolument que j'en apprenne plus. Et c'est là que je décide de faire des études pour apprendre justement à arranger un orchestre. Enfin voilà. Alors après, j'ai fait 3 ans en Australie. Je suis revenu ici, bon, j'étais un peu entre les deux aussi parce qu'il y avait des tournées. Je commençais à tourner un peu en Australie, du coup je suis revenu à La Réunion et là j'ai décidé de vraiment m'implanter et tout ça et de profiter de faire mes études parce qu'il y a l'école et ma Réunion qui s'ouvraient. J'ai décidé de faire une formation qui s'appelle le MIMA, une formation diplômante où j'ai appris justement à lire, à écrire la musique et apprendre à arranger, composer comme il se doit en fait. Et après je suis allé à Paris, je vais faire la suite de mon diplôme à Paris. J'ai fait 2 ans à Paris et là bon ben voilà, on est en 2017, je reviens à La Réunion. Ça fait à peine 7 mois en fait, avec toute cette expérience musicale et scolaire aussi. Du coup voilà, j'ai décidé de revenir avec mes compétences maintenant et décider à faire un album et à entrer en studio avec un orchestre, un grand orchestre avec des violons, des cuivres et tout ça, enfin voilà, pour habiller mes textes. J'ai signé pour la première fois avec une boîte de production qui s'appelle Emma Prod en fait. Du coup, c'est avec eux que je travaille beaucoup. Ils me coachent beaucoup aussi. Beaucoup de mes musiciens sont issus de Emma Réunion aussi. On a trouvé un nom, on appelle ça le Créole Orchestra en fait.
Et on a eu l'occasion de faire une scène en début d'année, là, en février 2017, pour justement tester mes arrangements sur scène, voir qu'est-ce qui sonne, qu'est-ce qu'il y a à réécrire et tout ça. Et du coup, tout le long de l'année 2017, là, ça va être vraiment, on va s'essayer sur scène, on va revenir en studio, je vais tout réécrire, et puis ça va être comme ça, jusqu'à la fin d'année où on arrive prêt à entrer en studio et essayer de faire... l'enregistrement en d'une traite, quoi. C'est aussi une manière de sauvegarder un peu la langue créole ici, qui se perd petit à petit, qui est pas enseignée à l'école ici. Formellement, en fait, on est formé à parler français dans les écoles, dans le travail et tout ça. Et puis, la langue créole est une belle langue et tout ça. Enfin, voilà, moi... Moi, il adore cause créole, mais il aime mon langue causée. Du coup, forcément, il écrit avec la musique, mais ça y met à lier en avant, quoi. Mes textes sont très identitaires et aussi existentiels, un peu. Parce que, c'est des vieux textes. J'avais entre 16 et 18 ans. À l'âge où tu te poses justement les questions, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce que je vais bientôt faire partie de la vie active, en fait. Du coup, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je suis vraiment fait pour la musique? C'est bien de croire en ses rêves. Ça pose toutes ces questions un peu existentielles, mais aussi ça met beaucoup en avant l'importance de, comme je te disais, de sauvegarder un peu son patrimoine, de mettre en avant son identité, la langue créole, le maloya, parce que ici, comme tu as pu voir, il y a une culture très riche, en fait, de musique. Le maloya est très riche, avec beaucoup d'instruments qui se mélangent beaucoup aussi. Il y a vraiment une richesse ici que j'aimerais sauvegarder, en tout cas, et mettre en avant, on la voit pas assez pour moi, sur la plage médiatique, autant que la musique cubaine ou la musique, les autres musiques afro-américaines ou quoi, Enfin, moi, je finis toujours par encourager la jeunesse, parce que c'est vraiment eux qui construisent l'avenir et tout ça. J'aimerais leur dire croyez en vos rêves, si on y croit vraiment, qu'on s'y met à 100%, on peut y arriver, et surtout pour les Réunionnais, oubliez pas votre racine, oubliez pas la richesse qu'on a ici, c'est important de la mettre en avant et de la sauvegarder, quoi. Voilà. Viens dans mon sang, tu vas voir ça te mille, mi porte, my loyal rouvert. Here comes revolution.